Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Papa, les gars, ça va, j'ai à se retrouver une toute nouvelle vidéo, les gars. Donc, on se retrouve sur Zhunter, les gars. Donc, ça fait énormément longtemps que j'ai pas fait de vidéo, les gars. Je m'en excuse. Je vais me rattraper sur cette vidéo, les gars. Je vais vous montrer où trouver des serres mythiques sur la map Guento Colinas. Donc, tout d'abord, faut que vous avez la map Guantoclinas, les gars. Donc vous arrivez de la maison ici, les gars. Voilà, donc voilà, j'ai tiré un peu en arrivant. Voilà, vous tirez ici et normalement vous allez arriver ici. Donc là j'ai tué un 4 facile au-dessus là, et je regardais aux alentours, donc ici, donc voilà. Et c'est à chaque fois ici que je les vois. Donc normalement c'est vers ici que je les avais vus, je crois. Donc, je ne sais plus trop. Donc voilà, un 8 mythique, et il y en avait un deuxième. Voilà, donc 2 8 mythiques, les gars. Donc ils sont presque à chaque fois ici. Ou si vous ne trouvez pas ici, les gars, ils sont ici là. Donc vous faites attention. Donc vous êtes sur la petite île là, et vous regardez ici, et vous verrez souvent les cerfs. Donc là, faut toujours regarder devant, Guento Colinas. Et comme vous voyez, voilà. Donc il y a un chevreuil derrière, ou c'est une biche, je sais pas trop c'est quoi. Bref, il y a 2 8 mythiques. Ah, j'avais pas vu ça. Donc il y a des biches et 2-8 mythiques. Ok, donc je vais essayer déjà. C'est quoi? C'est un autre cerf que j'ai vu là. Attendez. Attendez. Oh my god. Oh my god. 3-8 mythiques, les gars. 3 fucking 8 mythiques. Ouais, 3-8 mythiques. Attends, mais. Attendez, parce que là c'est la première fois que ça m'arrive. 3-8 mythiques là. Ça m'est déjà arrivé. 2, déjà 2 c'est rare, mais 3. 3 les gars, 3-8 mythiques. 3-8 mythiques. Magnifique scène. Donc l'autre il est vers ici, je sais plus trop où. Il est vers derrière l'arbre, et il y en a un ici. Donc c'est des 8 mythiques, donc c'est quand même des gros cerfs. Je vais valider mon 4 facile que j'ai tiré. Hop là, et je vais tout simplement essayer de prélever un 8 mythique. Donc je vais les traquer ceux-là, donc vous allez les traquer avec moi, les gars. Donc j'aimerais bien mettre quand même. Bah, je pense que je vais tirer celui-là, les gars, parce que ceux-là ils sont pas trop en bonne position pour que je les tire. Je sais pas où. Là on se retrouve dès que j'aurai fait mon choix duquel que je vais tirer, les gars. Donc à tout de suite. Donc les gars, voilà, donc j'ai décidé lequel que je vais tirer, les gars. Donc ça va être celui-là. Voilà, tout simplement parce que il est. Ah non, faut pas que ça crée d'accouplement. Ok, c'est bon. Donc tout simplement parce qu'il est en bonne posture pour que je le tire. Eux là-haut, je pourrais le tirer. Oh là, il a l'air grave grand. Oh, c'est un gros quand même, les gars, je crois. Et en fait, ils sont tous gros. Mais celui-là, il a l'air vraiment énorme, les gars. Regardez, il a l'air vraiment énorme, les gars. Les gars, je sais vraiment pas lequel tirer. Il est énorme celui-là, pour de vrai. Ouais, les gars, il est vraiment énorme. Attendez. Celui-là, il est comment? Ouais, faut que je tente celui-là à 235 mètres. Je peux le faire à la 300. Je vais tirer à la 300, je prends pas le risque. Ok. Je vais mettre un peu plus. Je vais mettre là. Je vais m'approcher, je vais bien regarder lequel est le plus gros pour. Tirer le plus gros trophée. Mais celui-là là-haut, les gars, il a l'air vraiment énorme. Regardez les empommures qu'il a. Il y a encore des autres bêtes derrière. C'est donc le troisième. Je sais pas où il est, le troisième 8 mythique. Je le vois plus. Mais celui-là, regardez les gars, il est vraiment magnifique. Celui-là aussi, il a l'air. Et c'est un cri de quoi ça? Cri d'accouplement. Ok. Ah oui, d'accord. Il y en a pas un œuf légendaire là-dedans. Je sais pas s'il y en aurait. Ah, non. Bon, ouais, bon, je vais me décider. Je crois que je vais tirer celui-là, les gars, parce qu'il est vraiment énorme. Bah, il a l'air d'ici énorme. Donc, on verra bien si j'arrive à le prélever. Ah oui. Ouais, c'est un gros cerf. Attendez, regardez celui-là, comment il est. Oh, déjà, celui-là, il est gros. Ah, pas trop gros, mais regardez celui-là, il est vraiment. Ouais, il est vraiment énorme. Au pire, je vais essayer de faire le doublé.
Mais je vais tenter déjà ma première balle sur celui-là. Et je vais tenter un doublé, les gars. De serre. Tant pis, je vais essayer. Même si ça va être très très compliqué. Je vais pas vous mentir. Ah oui, celui-là est vraiment énorme. Ouais, celui-là. Donc là, je m'approche à 208 mètres. Donc j'ai essayé de le tirer vers ici, à peu près vers la pique. Donc les gars, je vais tirer celui-là, donc dès maintenant. Donc comme vous avez vu, j'ai acheté le nouveau pack, les gars. Donc je vais pas le tirer avec ça. Je vais prendre le risque de le louper avec la carabine là. Donc je vais le tirer à la 300. Hop là. Et je vais mettre. Je vais essayer vraiment de me mettre bien pour bien le tirer. Voilà. Ouf, ouais, il est magnifique. Oh, faut pas que je le rate, vraiment. Ouais, il est gros, les gars. Waouh. Ah, si. Regardez la différence, quand même. Ah, regardez la différence. Regardez celui-là. Et regardez celui-là. Il y a une petite différence. Donc là, je l'ai bien, là. Donc, j'ai vraiment bien me positionner pour le tirer. Ok, donc là, je vais tenter le tir, les gars. Je prends ma respiration. Je mets 2 balles apparemment. Je vais aller voir ça vite. Donc je vais vite aller les traquer aussi. Donc on va voir. En espérant, j'espère que j'ai pas tiré dans la terre. Ou parce que des fois il y a des bugs comme ça. J'espère que j'ai pas tiré dans la terre. Donc les gars, je vous retrouve. Re les gens. Donc voilà. Donc oui, je l'ai effectivement. Je l'ai touché gravement même. Voilà. Donc le cerf ne devrait plus être loin du tout. Donc je vais le suivre. Donc on va aller voir ça. Voilà, donc le cerf est là, les gars. Donc waouh. Ok les gars. Waouh. Waouh. Oh my god. Mais c'est un œuf légendaire, c'est pas possible, ça peut pas être un 8 mythique ça, les gars. Waouh. Attendez les gars, je suis obligé de prendre un screen. Voilà. Je prends un screen, les gars, tout simplement. Magnifique. Vraiment magnifique. Aïe, magnifique le cerf. Donc là, je vais. Waouh. Waouh. Je suis choqué. Donc j'ai bien fait d'identifier. Ouais, je suis vraiment très content. J'ai bien fait d'identifier. Et c'est un 8 mythique. Et ce n'est pas un 9. Vraiment bizarre. Regardez, il est vraiment énorme. Je sais pas si c'est buggé ou quoi, mais les gars, il est vraiment énorme. Pour un 8 mythique. Je sais pas comment ça se fait. Attendez. Donc hop. Il y a une autre bête qui arrive. Regardez c'est quoi qui arrive. Donc c'est encore les cerfs qui arrivent là. Je vais essayer encore de prendre un 8 mythique les gars. C'est bizarre qu'elle est toute seule la biche. Ah t'es tout seul. Elle remange ici devant moi. Il y a pas de cerf avec. Ah. Les blagues arrivent. Ne t'avance pas. Les blagues arrivent, donc je pense qu'il y a le cerf qui va arriver avec. Ah, ils arrivent, ils vont me détecter. Aïe aïe aïe. Elle arrive à côté de moi. Et... Ah, faut pas que je bouge. Ah non. Va-t'en. Vite. Va-t'en. Voilà. Ah c'est. Les autres l'ont pas suivi. Ah le blaze sert les gars. Bon je mets une mauvaise balle, je suis d'accord, mais bon. J'ai tenté hein. Voilà. Je crois que je mets une balle à la FS. Donc ouais, encore un 8 mythique les gars. Donc je crois que je mets pas trop une bonne balle quand même. Mais il devrait quand même tomber, je pense, avec. Elle tire assez fort la carabine. Ah. C'est pas une grosse tache de sang, donc faut vite que je leur tire. Faut que je me dépêche de leur voir. Vite, 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 vite. J'avais enlevé la lunette sans faire exprès. Et je le vois plus. Je sais pas si c'est lui. Ah non. J'aurais mieux fait de le tirer à la 300, je crois. Ça aurait déjà fait un plus gros tir sur lui, je pense. Donc les gars, je vais aller voir en bas là ce qui se passe parce que il y a encore beaucoup de gibier en bas. Ah voilà, un cerf, un 8 mythique encore je crois. Il y a
Hein, je vois pas c'est quoi. Mais il est passé où le CR? Ah le blanc. Ah non, ah, c'est très difficile les gars. Donc je vais mettre à terre aussi. Hein. Oh, je vais le tirer à la carabine là, c'est pas un gros, je tente. Hein. Tant pis, bah je le revois plus. Oh regardez, il y a un autre cerf par contre là. Un autre beau, donc je vais tenter de tirer à la tête au pire. Oh bah ça a pas tiré les gars, ça a pas tiré, ça a totalement bugué, ça a pas tiré, d'accord. Donc là le cerf était mort, j'ai tiré mais ça a pas tiré. Mais vous me croyez? Ils arrivent. Mais c'est pas possible. Avoir du gibier comme ça. Ouais, du coup, là, j'ai refait du bruit. Ouais, tu me diras, ça se peut que je les revoie. Bah, non. Ah bon, je vais retirer un gros cerf. Et les gars, c'est blindé de cerf. Donc, allez où je vous ai dit, les gars. Donc, on va faire la recherche au sang là, les gars. Et après, je vous laisserai sur cette vidéo. Et je vous souhaite vraiment une bonne chance, les gars, de trouver des cerfs mythiques ici. Donc, ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Achetez cette map, les gars. Vous trouvez des magnifiques cerfs. Donc, là, je suis vraiment très très content. Ah, 0%. Donc, il doit être mort. Donc, je suis vraiment très content de mon cerf que j'ai tué. Un magnifique cerf que je vais mettre dans ma loge. Donc, je ferai une vidéo pour montrer ma loge, les gars. Donc, il y aura le cerf, vous inquiétez pas dedans. Voilà. Donc. Encore des bêtes, vous voyez, il y a encore beaucoup de bêtes. Voilà, donc le cerf, on va aller voir c'est quoi encore. Et là, je crois que j'ai encore blessé un autre cerf, je crois que c'est pas le même. Donc, je pense que c'est encore le 8 mythique qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez, ils sont vraiment moins beaux que. Voilà, un 8 mythique, et vous voyez quand même qu'il est vraiment pas trop beau comparé à celui que j'avais tué tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc, c'est déjà un... ouais, c'est déjà un beau. Donc, je vais mettre quand même empaillé, voilà. Et on va se laisser ici les gars sur cette magnifique vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, abonner, vous partager les gars, ça m'aide énormément.